Rivez au pouvoir, pour ça, vous faites une révolution dans le dépensoir, parce que vous croyez que vous avez un dossier pour moi, pour nous donner un esprit comme commissaire gouvernement dans l'affaire de l'expression. Vous si vous devez arrêter, vous devez arrêter tout, vous devez arrêter. Vous avez un même. Si vous devez arrêter, vous devez arrêter. Une fois que vous avez fait un sur l'opinion qui n'a pas même, mais comme commissaire gouvernement, qui dit discernement, dit de l'heure, ou bien gens pour apprécier, on veut essayer de nous donner, on veut s'assurer que les gens vont ça pour nous mettre les pouvoirs de politique. On dit non, on veut aucun bail pour les vivifs. On va les pouvoirs de politique parce que si les conseils de piste à explorer, qui n'étaient pas encore sûrs, qui ne l'étaient pas encore. Donc, vous voulez dire, moi, quoi que, pour les médecins de l'année là, nous plus suspect que nous déplaire. Et ça va passer là. Ce va être désordonné ou désordonné, nous ne pouvons pas passer là-dedans. Donc, c'est une possibilité pour sauver ce qui peut l'être bon, on peut le faire. Mais est-ce que, à nous, nous rendons le pouvoir habité à Odette, est-ce qu'il est de bonne foi? Donc, ça veut dire que, nous, dans cette situation-là, ou bien le président Jovenel a montré une ville de bonne foi, là, pour faire dire quelqu'un, on va saisir que la Russie, parce que nous sommes dans le combat avec le commissaire gouvernement, au combat sale. Et sauf ce dernièrement là avec Vera, avec vous, Nicole, on va parler de la joie, mais c'est la vie de la joie de côté de vous. On va parler de terminé. Parce que dans la phase où il y a là, sous 10 ou 20 jours de configuration, on va mettre de l'huile sous avec ces irritants. Donc, même quoi que. Ancien gouvernement, nous connaissons Dieu, qui a parlé par rapport à son et son objectif, qui comprend les noms de qui. Il faudrait que un cours que nous faisons, et je me sortir en parler. Même dans la boue. Et que vous n'avez pas de compétence. Non. Mais Christophe, vous êtes très intelligent, vous êtes très intelligent. Je chaque jour, vous êtes très intelligent. Vous n'avez pas de compétence. Je suis chaud, vous êtes très intelligent. Vous articulez bien et vous trouvez que, par un moment, vous êtes très élégant dans la défense technique. Et nous devons dire pour le peuple, la démarche que Thierry là, avec les deux, c'est à chaque jour, ça passe dans le peuple là. Parce que nous avons un concept de notre pour nous donner. C'est-à-dire, vous la lex et lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais il faut aussi croire en ce qui se fait en la formule, ou bien lex pour distinguer, non se distinguer des dénonces. Il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas, ou comme il ne faut pas confondre là où la loi a soit besoin de distinguer. Nous disons le dossier pétro-caribéen. La loi est nette. Pas aucun texte de loi express qui dit que le tribunal de droit pour le cas pour son aide de Galiléo là. Mais à défaut de cette loi, il y a une jurisprudence. Et je viens de souligner sur la loi conforme les éléments de cette jurisprudence et aller dans le cours de cassation pays haïtien ou à brûler dans ce goût là, en absence de la loi. Lors du fameux procès de la consolidation, les fameux juges dans la cour de cassation de l'époque, qui ont une décision, qui prend un jugement pour dire oui, on peut juger ces gens parce que la formule de privilège de juridiction ne tient pas en leur faveur pour la seule et bonne raison que le privilège de juridiction ne sont pas pour le fonctionnaire, l'aide ou la fonction. À partir du moment que, pour pas d'en poste là encore, pour pas suivre des tribunaux ordinaires, pour pas suivre des tribunaux communs. Voilà pourquoi je persiste à signer. Le juge d'instruction est compétent, rationnel matériel pour donner toutes les goûts. Et qui veut mettre, nous avons un, qui a bien non cité l'affaire pour ces consolidations, il faut qu'on mérite, non, pas être au Caribéa, m'éviter à partir de lundi matin, pour être sur vous. Devant juge d'instruction, vous allez expliquer ce que va donner à revoir avec 3 millions. 3 millions, 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 3 millions,
question pas de nous dire que nous avons rien du tout. Bon, je suis tout de suite là. La loi est là, mais la loi est là. Le juge est poursuivi pour des injustices. Ne saurait remplacer la dialectique des armes, mais que les idées, elles aussi,
Dès qu'elle pénètre le masque, se transforme en force matérielle. Aucune armée ne peut résister à la force du monde, malheureusement. C'est clair. Pour ne pas prendre la peine de personne. Quand je vais faire le bas, je vais prendre la peine de personne. Mais personne ne va prendre la peine de ça. Peut-être que vous avez dit ça, nous proposons comme solution. Maintenant, si vous proposez la cohabitation comme solution, la cohabitation politique, il y a un problème. En fait, c'est que nous analysons les questions et nos propositions de solution, l'approche est chrétienne. L'approche, à mon avis, n'est pas bonifiée et ne pourrait pas certifier. Système, ça, que la population rejetée, hein, ce n'est pas une fatalité historique. Je sortis en côté. Il y a des gens qui bénéficient du système. Il y a des gens qui entretiennent le système. Il y a des gens qui font valeur du système. Cette inégalité sociale criante que nous avons fait l'affaire d'une petite minorité. Et si cette minorité bénéficiaire de ce système, qui est placée au pouvoir de Dia, monsieur Jovenel Moïse. Maintenant, Jovenel Moïse, pas capable de bon matin, et puis pour décider de défaire le système là. Comment opposition va dans une dynamique de cohabitation avec le gouvernement aujourd'hui? Est-ce que Jovenel Moïse est d'accord, par exemple, pour nous dire que le procès peut être calme pour nous faire? Et si nous sommes d'accord pour nous arrêter là, nous, par exemple? Est-ce que nous sommes d'accord pour nous arrêter Martelly, par exemple? Est-ce que monsieur. Parce que. Non, c'est ma ville Pétain, c'est Souflac Pétain, c'est Olivier Pétain, c'est la Loc Pétain, c'est Oligachia Pétain. Donc, est-ce que monsieur capable de dire à décider de faire le Moussaïo pour prendre le cas? Comment le faire? Comment vous dit? Comment vous dit? Non, je peux Après avoir constaté qu'on fasse un système de pour nous,
Et non seulement pour vous, notre population a rejeté massivement, et c'est la leçon à tirer des événements qui se sont produits les 6, 7 et 8 juillet 2018, la solution ne peut pas être la cohabitation avec les tenants de ce système. Toute cohabitation, c'est patcher, vous pouvez le patcher en caoutchouc, ça ne donnera pas de résultats. Et on va l'ouvrir en porte-à-faux avec ce peuple qui a rejeté avec force, avec fracas au système. Solution à vous. Ouais. Il revient. Je donne la conclusion. Le tabou de la raison. La conclusion. Rachemont. Il revient. La mise en place, le gouvernement de transition. Bien, je te donne la garantie, je te rends compte ça. Maintenant, il revient. On y va. À l'ensemble des postes d'opération, on dit que secteur public, tout comme ensemble, pour nous engager pour une transition démocratique, pour nous aller à une conférence souveraine. On devra poser les problèmes de fond de ce pays pour nous faire émerger dans nos projets de société. Moi, c'est ça, moi. Et pour moi, la dernière journée, et d'ici la semaine prochaine, ce gouvernement sera mis en place. Merci. La proposition de sortie de crise du secteur démocratique et populaire sera disponible. Nous ne pouvons pas nous en parler par tout le monde, ça nous va le présenter. Mais il faut nous chita. Nous faisons tout ce qu'on pense. Nous avons amitié avec nous-mêmes. On va mettre des doigts dans le gel. C'est faux. Merci, André. Merci, André. Merci, merci. Alors, c'est. On fait autre chose. Vous avez des émotions. Vous avez fini. Vous avez la parole. Non, c'est pas le pays. Vous avez fini, mal. Vous vous déplacez pour parler. Non, vous êtes de côté pour mettre en chef. Et que lundi, président Jovenel Moïse, ce président bourgeois oligarchie. On a souligné que le président Jovenel Moïse, on dit que c'est le président. On dit que c'est oligarchie à mettre. On a souligné que. On a quoi alors? On a souligné que. On a souligné que. Nous sortons de des familles politiques qui sont constituées, qui ont permis l'oligarchie, ça, qui ont fait asphalte là. Il n'a plus qu'une guerre. Le président qui est un président pour jouer le gâchis, vous dites à ce moment-là, pendant qu'on peut mettre le plat, pendant 100 000 dollars américains. Parce que le sorti, puisqu'on a 1 000 dollars américains, vous les êtes dans 100 000 dollars américains. Pour le gâchis, pour voir intérieur, qui est un support pour le gâchis, qui fait contrat blackout, 12 700 000 dollars américains par mois, pour 150 000 dollars américains par année, que c'est bien comme que comme chaque mal touché là, mais c'est pas voir ma délire. Donc, tu fais contrat avec le bon passé, président Jovenel Moïse, parce que tout simplement, président Jovenel Moïse, laissez un chef d'État inclusif. Toute étude d'affaires à l'époque, toute l'ancienne, avec toute
et œuvre d'art. Parce que route là, ce n'est pas asphalte là, non? Mais toute œuvre d'art pour construire, pour briser vers route là, c'est environ 400 millions là. Le matin, on n'a pas laissé, pour que le même ouvrier, 1 million là, pour l'ouvrier. Pour l'association de malfaiteurs qui fait pour l'ouvrier de l'État, c'est un ouvrier de l'État qui a du courage, qui a attaqué pour l'homme ça. J'ai vu que le même pour ça, ou, qui a capté politique. Ou, vrai changement, tout le monde. Alors, on va supporter, il faut prendre acte à l'opposé, hein? Côté secteur ça, et le produit la forêt du secteur ça. Parce que la travail pour permettre que le pays a un électrifié, vous le bien, on va revenir. Du pays et du peuple
nous choisir pour nous mettre au service des riches. Et l'État fait des concessions extraordinaires aux riches. L'État a pris l'habitude depuis longtemps à subventionner les riches. Lorsque, au niveau des douanes, on laisse tout est passé, les marchandises sans que nous partions de taxes et l'État retirerait. Et comme on est venu dire, l'OTAN est le problème qui nous dit on va gagner en bas, on gagne en haut. Si pas gagner complicité, si pas gagner accord des responsables de l'État, on va gagner en bas, sans payer les droits de l'homme. Lorsque, en 2014, une enquête arrivée, au niveau des droits de l'homme, mais 1,6 milliard de dollars de marchandises qui traversent les frontières pour notre électorat. Pas les bagages marchés, pas les bagages officiels. Et lorsque la douane a été dévouée, on voit 1,6 milliard la parité. L'on voit 350 millions avec un coulage qui était extraordinaire. Ça veut dire que 1,250 milliard de dollars de marchandises qui passait sans ne pas payer. Voilà. Les responsables de ça, c'est les responsables de l'État. Et puis, c'est les importateurs. Et là, ça constitue une subvention que l'État accorde gracieusement à des gens qui sont riches, à des gens qui sont trop riches, et retirer moins à eux. Tout à l'heure, aller au service de la population qui a besoin. Il faut que l'État suspende, il faut que les hommes du secteur public trouvent de l'argent, il faut que l'accepter et ça va revenir. Ça, c'est une bagaille indispensable. C'est une besoin de ressources. C'est une besoin de ressources pour nous faire ça, nous nous faisons pour nous faire changer, pour nous transformer. Et même le cadeau, par exemple, si on a le principe financier, Dans l'un, c'est un fonds publicité. Je vous dis que vous avez une des plus grandes de ce pays, vous pouvez vous citer quelque chose. Vous mettez l'argent, pas que l'argent, la caille, vous mettez la caille, l'argent va vous mobiliser la caille, la pointe de l'argent. Et à l'époque, le naturel de l'intervention. Voilà. Le pire d'un produit, on a fait beaucoup de publicité. Le pire d'un produit, on a vraiment fait. Bien côté là, j'en vais, j'en vais quitter ma grande cause. Et on récolte l'argent des épargnants de ce pays. Et puis, nous sommes constatés. Vous constatez? Vous constatez que l'argent, ça, eh bien, c'est même qui a l'argent, toujours, qui prêtait l'argent de déposant. Dans un administrativement, les dépôts des épargnants, ils prêtaient, comme je vous dis, 70%, les dépôts. C'est 30%. Et vous bagarrez, vous avez fait pour vous, parce que vous avez Réduire le taux
de réserve. Qu'est-ce que quand on regarde dans quel monde ça? Si on dépose une mousse contre, on va arrêter de poser un euro, on va plus ça. On va vous dire trop, on va vous dire trop, on va vous dire trop, on plus là, on va vous. Et puis, on est venu avec les bons DRH, tout le monde a fait, on dit, banquier, on dépose l'argent. Et on dépose son compte, on va même, on va l'argent à nous, on va la bonne compétence. Je dis à la, on va pas chiffrer exactement, mais en 2016-2017, mais on était payé 10, 12, 16% pour les impôts qui allaient en mode social, en raison de 7 jours, pour 21 jours, pour 14 jours. Voilà comment on subventionne la banque sociale et l'humain. Mais non, parce que quand on s'en va, dépenser plus d'argent, c'est le monde. Le monde, pour la commission de la Canada administrative, on négocie le dossier qui a passé dans le mois, j'ai constaté que la banque centrale était en difficulté, justement, du fait que vous avez trop d'argent, Et je dis à la loi, au lieu de financer les banquiers pour prêter multiple impôts sur multi-projets, on doit proposer l'argent pour le multi-projet à l'exécution, eh bien, vous faites l'argent de deux bagages, tout particulièrement, à vos définitivement, pour la majorité, et puis vous faites l'argent dans la DRH, vous faites l'argent dans l'opération de change. Et quand il y a la petit bagage, ou un petit machine pour l'argent distributeur l'argent. Quand tu as besoin, par exemple, tu as besoin de médicaments, d'aller sur le cachet. Tu as besoin de voir le seul coup, il y a un fruit à bouger, c'est normal. Combien là, je vous dis, c'est chaque semaine que vous faites l'opération. Pour l'opérer une fois, combien là, par exemple, on fait une opération, on fait une opération. Il faut que ça cesse. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, on a dit que vous voulez les citoyens. Si vous voulez les citoyens, si vous voulez comprendre qu'il y a ce pays, et nous gardons les géologiens, nous gardons les décisions qui concernent la vie, qui concernent les biologiens, et vous devez cohabiter, eh bien, gérer mal, pour nous capables, pour la conscience. Et faut de situation ça, il faut nous dégager pour participer à la révolte, à la rébellion, notre société. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, maintenant, nous sommes bien gazés, nous les bâillons. Je vais vous dire, même pour le pays, il nous faut faire une révolution pacifique et de partage. Une révolution tranquille et de partage. Et la richesse. Ne sont pas créés, ça crée de mal partagé. Il faut que ça cesse, ça ne peut pas. Continuez comme ça, Vas-y, vive la prochaine révolution tranquille et de partage qui vous fait le pays, qui vous fait vite. En ce qui concerne, cette affaire de négociation. Le président de la République, face à une situation. On va extrêmement grave et décider pour le consulter qui vous loin les gens qui sortir de l'église. On passe le dialogue, c'est une bonne chose dans un pays, dans une société, lorsqu'on dialogue, c'est une bonne chose. Cependant, le mal dialogué, on dialogue pour essayer de chercher, identifier d'abord les vrais problèmes et porter les bonnes solutions, les solutions à proposer. Ça peut être là, ne pas louer, nous faire semblant, ne pas louer, nous faire de la part des gens, ne pas louer, nous faire de son moyen pour essayer de calmer le jeu, prendre du temps pour recommencer à faire la même chose. Si c'est ça qui est le choix des décideurs d'aujourd'hui, à mon avis, c'est une mauvaise option.
si l'intention, c'est l'identité qui est répondue, d'apporter les solutions qui s'imposent pour un changement réel, pourquoi pas, naturellement, c'est un organisateur festival ça de conseil avec la mairie du Nord qui te fait un pile message passé pour attirer tout ce qui est sur le plan local, qui est sur le plan international, sur le festival du Nord qui a une difficulté parce que l'autorité a beaucoup fait diligence pour fond débloquer pour y avancer. Peggy, n'a pas réaction, monsieur, sur son mouvement qui a annoncé avant de faire ouverture à handicapé. Oui, c'est presque tout d'un tableau. Est-ce qu'on peut libérer handicapé? Oui, il fait ça, non? Alors, de l'ordre de nouveau. Pour tout auditeur qui là, n'a parlé d'un pays où la réalité payée jusqu'à hier, en façon d'ordre. L'État investit, lui prend comme citoyen ou comme d'action, lui crée usine asphalte, et puis usine asphalte pour là, nous point. L'État a payé des compagnies privées pour capable de faire un service que le capé. Triple ingénieur de CN qui l'a touché chaque mois pour ne rien faire. Son l'État a acheté une quantité d'équipement, il dit pour faire route, pour faire infrastructure dans le pays, mais au final, c'est des équipements pour gérer question des particuliers, des négociants de pouvoir, ouvriers économiquement forts, suivant la compétition, mais véritablement, comme population, hein, qui
dépenser pour bal service, pas j'en bal service, véritablement. Et ce constat, ça, que le président du gouvernement est fait, c'est ma rapport, qui fait que à l'entente de son mandat, nous devons avec le fameux arrêté sur réduction du trait de vie de l'État. On dira ce qu'on voudra. C'est des signaux qui clairement montrent que même le pouvoir est un constat que nous ensemble de pratiques qui ont fait dans la société qui n'est pas bon et demander corriger. Mais maintenant, comment nous allons articuler éléments de réponse par rapport à la situation ça. Bon tabla, il y a des acteurs qui pouvaient que faut pouvoir nous serait pour dialoguer ou l'ouvrir pour que les cohabitations. Il y a faut bien un dialogue, c'est ça. Mais il y a c'est le tabou la raza, c'est le rachement de l'année. Parmi toutes les positions que ça a exprimé, le président Jovenel Moïse lui-même, il croit dans le bagage. Il pensait que, dans le temps extrêmement difficile que le pays a trouvé le aujourd'hui, ce n'est pas dans des actions pour le 6-7 juillet, côté rasémisé, pillage, fait que entrepreneurs, haïtiens ou étrangers, je veux dire, ont perdu confiance dans le pays, ne sont pas prêts pour le négociateur. Et stabilité politique, quoi qu'on dise, je veux dire, nous sommes impérieux si nous voulons nous lever quelque part, parce que l'on parle de stabilité politique, je suis désolé, pas gagner un de constructif que tu as fait sur le plan économique pour garantir la paix sociale et arriver à un certain équilibre. Quel est ce gouvernement qui crée l'instabilité? Je dis, des interventions qui, bien évidemment, il y a un gouvernement au pouvoir, mais d'excel et penser que solution, les venus de pouvoir, là, même sous des autres, la responsabilité de la stabilité nationale n'est pas seulement au pouvoir. Il y a des comportements acteurs sociopolitiques et économiques que nous-mêmes nous devons adopter pour préserver la stabilité. Et je veux dire, l'un considéré que gagner des mondes qui, pendant nous sommes assistés à celle de pillage, ça, qui a des conséquences terribles sur l'économie haïtienne, mais pas effectivement la direction qui font bien, mais elle se met au comment on peut aujourd'hui dire que des mondes qui ont incité la population pour continuer à voir ça? Responsabilité aux leaders. Et responsabilité, quel que soit acteur qui est responsable et qui veut bien vous payer ça, il faut qu'il y ait courage. On dit que c'est vrai que la population, il y a une loi manifestée de tout le monde, mais un pillage, un vendage, qui, lorsqu'on mettait entrepreneur à genoux, il a poussé la population multiplée. Le face à terre, le guet de couche, ce n'est pas la solution au pouvoir. Je dis, hein, acteur politique, que chef l'État invité, de dialoguer avec nous, discuter, répéter, si c'est vrai que nous n'avons pas aucune obligation constitutionnelle pour faire avec nous, mais nous devons réalité telle ou conjoncture qui fait que dialogue, la discussion, ils sont obligations. Et en ce qui a trait à ce qu'a exprimé tout à l'heure par M. Denis, en ce qui a trait à l'étude liée sur volonté
président de la République là pour que prenne tant suggestions, recommandations pour sortir dans la consultation ça. On a dit que ce pour gagner pour nous officiellement qui sortent jusqu'à présent, c'est justement parce que le chef de l'État veut prendre en compte avec l'ensemble des forces vives de la nation, parce que nous parfois est là, je vous dis, entre 3, 4 et 5 bons choix, qui t'a qu'à faire, président Jovenel Moïse, des obligations pour faire le meilleur choix possible. Et qui ça meilleur choix possible, c'est pas le choisir un zamouille ou un zamouille pour faire tête du plaisir. Le président de la République est conscient que la République traverse aujourd'hui une situation des plus difficiles et qui méritait que des réponses qui allaient au-delà de sa personne, mais qui prend en compte le bien commun, qui c'est Haïti, et dans tous les cas de figure, on repère deux repères, nous pas doués, jamais écarté nous de eux, ces repères institutionnels, ces repères administratifs, parce que la République doit exister et il faut que le bon ton vienne de tout là-haut, du bord. Merci, la présidence. Merci, merci. Alors, on était 45 minutes, on avait appelé tout le monde qui voulait prendre la parole. Et moi, j'ai dit, je vais bien un rendez-vous avec le moment, ça va se lancer. On a un moment qui lancé, on va se grève pour lundi prochain, mais avant ça, et j'aime pas appeler Lucien Jura, qui t'a dit que le système est en doute. Donc, il m'a dit qu'il fait plaidoyer ça en pile, c'est pour Jean-Antoine Augustin, et il m'a l'impression que c'est ça même, qui fait le fond passer là pour les 3 minutes, et il va aller démanger tantôt avant de nous avoir reçu. Ok, merci Jean-Moulin. Effectivement, on va inviter l'émission, même d'absurde, ça va dit ça. Et sous cas, je vous salue quelques camarades, moi, quelques temps, pour les vêtements d'entendre. Et nous aimer hier, et bon, nous parlons pour tout le temps, Nathalie Rochelle. Alors, nous sommes lundi, bon, nous sommes venus pour ça. Et effectivement, nous avons analysé différents indicateurs politiques, sociaux, nous avons analysé le modèle de l'État, nous voyons que la société à bout, nous avons dit la société à bout, son parole, faut gagner des instruments. Pour étayer le point de ça, pour supporter l'hypothèse ça. On a la mort parce que de 1804, le fond des pays à nous dire là, on a l'acte tout le monde de tout le monde de économie. Parce que l'on dit, on a la mort. On va nous tout le temps dire ça. Je veux dire, action constatée. En plus que la majorité de la population n'a pas accès au travail, parce que le travail qu'on fait nous. Mais pas qu'à intégrer dans la société. Mais dans la boue, parce que il y a d'autres phénomènes. Même si on tourne dans sa politique d'abdine, il y a d'autres phénomènes qui ont assisté. Une métamorphose, une transformation interne qui est nommée là. D'abord l'État. L'État, vous donnez un État d'occupation. Un État néo-colonial. Et de ce fait, l'État, ça, parce que ce le service minimum à offrir à la population, au-delà de Jovenel Moïse. L'État, modèle l'étonnière, le tourner au instrument d'occupation du pays, de domination. Maintenant, pour développer le genre de l'Européen, nous n'avons pas de compte tout à l'heure, nous avons besoin de supports externes. En clair, sans l'État qui brave de l'intégralisme. Magali Sarou, Fonso Tabla, 1, 2, 3, 4. Deuxième manière, c'est que une dynamique d'avancer une révolution qui fait un modèle social ici. Bon, l'autre économie qu'il a déjà. Haïti, tant qu'on veut le terme, au moment de la révolution industrielle. Tout ça qui passe. Au moment de la révolution industrielle, ça sent le nom de fait en 100 ans, machine à faire le moment. En Haïti, bien que l'on va faire la révolution industrielle, on va avoir une société industrielle. Mais on a l'autre schéma économique, marqué par la domination de la finance, que vous nous avez parlé là tout à l'heure, et il y a des indicateurs qui là, à chaque fois, font une banque, une façon d'essence et un supermarché.
alors que le peuple lui-même n'a pas accès à cette économie, de plus en plus lui exclu. Donc, on va assister à la financiarisation de l'économie. Il y a des acteurs visibles et invisibles qui dominent les finances là, qui demandent des modèles économiques. Mais dans l'histoire de l'humanité qui sont joués, les modèles financiers, comment changer les quatre voies théo-sociologiques à proposer? Vous pouvez voir, c'est la révolution, qui voit ça passer pour partout dans le monde, y compris la caille par nous. Les modèles esclavagistes à démontrer, c'est la révolution là qui change. En deuxième voie, c'est les mouvements sociaux, la mobilisation populaire et collective. Et en troisième voie, c'est les théories de la compétition, pour des élites dirigeantes, pas élites dominantes, pour une direction de l'IA, mais des compétitions électorales proposées pour alternatives de consommation sociale. Les troisième théories ont pour une valeur réformiste. Valeur réformiste, mais et quatrième théorie, on connaît, c'est la théorie de l'État mondialisateur. Pour l'État, quand vous mettez des machines, quand vous l'État continuez à là, il est visé progressiste et moderniste, engager des transformations structurelles au bénéfice de la majorité de la population. On n'a qu'à pas nous donner ce modèle-là. En plus que les gens d'accueil collé, les gens d'accueil universitaire, à Poulonel, à Kéliti, les gens d'avis, nous dynamique de ressonder, aller au-delà. Si vous comprenez la documentation, ça, en clair, tout bagarre au niveau de la ministre de Palais, parce que t'es gros, j'ai dit, je vais me cacher pas tout le monde, je vais donner un mauvais signal pour vous. C'est que concrètement et objectivement, de la même ou de moi, je vais voir quelle réponse pour Haïti. Quelle réponse pour faire là? Et ils sont incapables de nous trouver à trouver là. Parce qu'il n'y a pas aucune réponse, modèle là, pas de capacité de nous mettre. Nous avons la limite historique, là, vous parlez plus loin. Et là, nous disons, limite historique, la notion limite, je dis, l'horizon est dépassable. Vous parlez plus loin. En ce sens, si vous comprenez ça comme fait là, le pays a besoin d'une nouvelle radicalité, indépendamment de Paul Mélie, de moi-même, de André Michel, une nouvelle radicalité, peut-être bien venir là. De chercher expression de la vitalité. Ça, le peuple a fait de voir son sang à vos couleurs. C'est manifestation de colère populaire, de révolte populaire, mais qui inscrit nos perspectives plus larges, que c'est justement le peuple de revenir à terre. C'est un peuple en éveil et en réveil que consultation qu'a fait à la gauche, pas qu'à fond. En clair, bonne merci. Je vous dis là, au Conseil démocratique, là, vous aurez limite objective par le tout. En termes de théorisation dans ce négociation, ça ne se passe pas dans le micro. Il faut fouer les gens de vous là. Pour proposer que l'autre pays était quoi, mais que des voies engagées pour arriver à la génération. Deuxième bagaille, faut opposition oser. Oser. Admettre que vous les nous dire là, perspective comme Messie Nabouda et le gouvernement pour l'histoire, le gouvernement d'Argent, Dignon, pas ça va aller. C'est pas ça que fait le peuple pour la rue. Nous-mêmes, c'est une perspective sur le pays, mais nous pouvons dire sur la terrible qui n'a pas soin avec nous. Ce pays pour nous casser tête tournée. Pour d'abord, pour l'accepter, nous comme nous, tout ça nous fait pour l'autre là. Nous faisons l'économie, c'est pour l'autre là. Nous faisons l'État, c'est pour l'autre là. Nous faisons l'État. Gagné Michel Crozier, qui écrit un livre qui s'est amas de sociologie, qui est l'acteur du système. L'homme est porteur du système, l'homme est porteur de structure, mais tout comme l'homme est acteur, l'administration, le projet, le carcasse sur le système. Bien sûr. OK. Le problème qu'on y a là, et c'est peut-être pour des missions par nous, il y a deux perspectives. Beaucoup d'opposition qui pensent que c'est parce qu'on n'a pas le courage dans les nouvelles. Non, c'est impossible. Vous avez des gens qui sont illusionnaires, qui pensent que je vais capoter les postes pour payer. Non, c'est impossible. Les postes pour payer, ils ont. Le
nous avons un monsieur extrêmement arrogant. Mais nous, nous payons, on peut être souffri, plus des sénateurs, des députés comprennent que l'on parle et pour souffrir, on parle. Que le président Jovenel Moïse
Pas de réponse. Aucune réponse. Ok. Sauf qu'à avancer toute théorie, ça, c'est pour bien un but, et que nous félicitons pour ça, nous congratulons. Mais, vous connaissez, dans la quatrième théorie que vous avancez, Natal, État, organisateur, ok, il y a aussi bien la théorie du signal. Ce qu'on a théorie, ça, on a théorie du signal, là, la théorie du signal. Président Jovenel Moïse, exactement, tenant compte, de crise systémique, de crise sociétale, de crise politique, et bien de crise économique, et bien qui va au crise systémique que vous comprenez, nécessairement, pour nous sortir à donner, pour nous moderniser et transformer ce CPA, de crise sociétale, ça. Si, depuis hier, nous ne pas sortir à donner, 5 à 10 ans plus tard, nous pourrons chercher façon pour nous. Unité pour nous communiquer dans le monde comme ça. Pour nous arriver là, c'est ça qui fait que, justement, le président Jovenel Moïse, dans le cadre de la théorie du signal, vous voyez ce signal-là, lui, dénoncer ce système-là comme chef d'État, vous voulez attaquer ce système-là, d'où nécessité pour solidarité, pour compréhension de tous et de toutes là. Vous ne pas les bien comme ça. Seulement la fête, la veille, 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 la ve
et date, etc. Mais pour le législateur, c'est ça que nous avons fait, la souveraineté du pays pour exiger, un, que nous pas intérêt, pour voici cette troupe-là, pour nous s'inclair, pour nous prendre que lui bouquet avec ce simple pays de l'OCA, pour la Bruxelles de là, pour ça casser, pour ça finir. Donc, si vous exigez des pas à l'arrestation, nous venons ici, qui fait payer tout déjà. Même avec votre équipe à Volotou, qui fait, vous êtes le bouillon, etc. Si vous exigez que libération, sans condition, tout ce qui va donner arrêté, mais dans le monde là, capé et c'est lui, alors que vous voulez choper les gros racketteurs politiques, comme ça doit, sans que vous même pas équité. Donc c'est pour nous d'aller demander réparation, justice et réparation, pour tout le monde, tel est que nous voulons faire choper Caillot. Etc. Comme c'est sûr que vous pensez, si la carrière, vous voyez, vous choqué, nous avons à 11 personnes à la première dormir. Donc, vous demandez justice à la population de donc, vous avez même rêvé, lundi, dans tout pays, vous demandez vous couper pour pouvoir aider ceux. Vous voulez que vous êtes en baillon, avec cette privilège. Vous avez gagné un caillou, la paix 13 millions d'euros pour lui, chaque mois. Et vous voyez, vous n'avez pas manger. Mais c'est coupé, mais il était là. Mais c'est pas ça, vous coupez. Quand vous l'enquêtez, il a pris Kaïsa, c'est Kaï, qui c'est Kaï et le Bertaille, là chez nous 5 millions de routes, et la première létale, vous le million. Est-ce que, par un, il faut que quelqu'un vous dise, est-ce que ça va s'allier? Donc, si ça s'allier, vous avez fait un petit peu. Vous avez fait un petit peu. Là, pour 13 millions de dollars, c'est pour nous, c'est comme ça, on a mis privé, ça va être 5 années pour manger, pour réaliser comme le pays, par mois, pour 20 individus. Donc, je vais le dire justement pour demander que la Tchouvique est en mouvement pour tout le monde qui voit leur complète arrivée est capable de dire ce qui est là, ce qui est pas cool. Je vais le faire dans tout le pays pour demander à l'arrestation de tout le monde possible et pour exiger que tout le pays que la coutière est en train de pour ne pas enterrer pour vendre ça. Les groupes, question 6-7, là, c'est signé de rien. Oui, c'est un rejet systématique, le gouvernement pour l'équipe lui. C'est un rejet tout, par l'autre, qui l'a tout, qui a fait un rejet politique et exécutionnel, qui n'a pas défendu l'intérêt des nations, etc. C'est un rejet système d'exploitation, système de domination, l'État oligarchique, ça vient de là, tout le système institutionnel, on est là. Et son appel pour ouvrir vers l'État, de façon, pour faire un commun. Peut-être que vous avez parlé de ce système-là, nous avons bouclé, ce système-là par une problème de population. Donc, nous-mêmes, alors, nous avons dit que nous avons écrit Haïti sur la citoyenneté, chapitre 8, là, c'est effectivement, que sur tous les États unis, sur l'État oligarchique, ça veut dire sur l'État qui est conçu pour défendre l'intérêt éthique, pour l'intérêt de la communauté. Donc, si c'est pour ça construit, on va attendre qu'il vous donne une course. Pour la formation, qui est ce qu'on a dit, le pays de l'agneau, l'État de l'Union, qui est venu après l'indépendance, mais l'État qui devrait être pour nous, sur la question conçue, pas au petit bout, pour au petit bout, pour la majorité. Donc, ce n'est pas la majorité qui devrait la guerre plastique, qui est donc considérée comme fondamentale la majorité, donc vous allez tout l'État de et vous allez vers sur le total, je ne peux pas vous donc, lundi 3, on appelle tout le monde à la misère, à souffrir en bas de l'eau, en bas de misère, la Michel. Nous, même qui victime, on va se servir à la vie sociale, on va l'état de l'Ugachibre, quand on tire cri, à faire les faits, pour que vous preuve là, je laisse le pays d'Haïti, qui est obligé à chouer Chili, à chouer Brésil, la prière est une fleur, quand on tire le goût, pendant qu'il y a un bâtiment comme pays, donc nous, après, lundi, pour nous mobiliser, pour parler, il a créé nous, mobiliser pour que nous faisons ça. Vous faites grève, vous dites grève. Non, parce qu'on a rien, vous prenez ça. Pour tout journée, vous faites un rien. Et vous avez même, vous êtes professeur qui vous venez d'Asie et comment casser ce mouvement. C'est-à-dire que vous l'avez créé, voilà. Vous l'avez créé, vous l'avez créé. Vous voulez vous en organiser. Sous les c'est ça. Si là, vous l'avez créé, vous l'avez créé le 4e. Si vous êtes là, vous pouvez vous en comment on va comprendre. Et pour ce moment,
Ça vous
Oui, tout bien, c'est parce que au moment fini et conclu, je m'espérais que c'est Monsieur Jura qui a pris une séance pour finir. Alors, on a parlé de deux invités pour mais c'est ça, nous avons le vu, mais écoutez, vous voulez nous rendre du fait. Et vous pensez son bagage.
et on constate que nous sommes gouvernement continue à faire. On va quand même nous commissaire commissaire de toute façon, l'affaire a été plaidée la semaine dernière. Nous attendons la décision du juge pour aller. Nous-mêmes, nous devons étudier. Nous sommes obligés
parce que même dans le monde, tu as fait ce budget, utiliser 29 milliards 200 millions de gouttes pour voyez dans chaque commune qui est dans le pays à 100 000 pas bien pour passer par le ministre de planification, le ministre intérieur, de telle sorte que la collectivité intérieure a des moyens pour fonctionner et permettre d'absorber plus jeune qui était là, pas pour les cap sauvages tout partout, pour cap à supporter. Merci, Colombo. Merci, Colombo. Merci. Que le président, inspiré par Dieu, nous ne voulons pas d'accord avec moi-même. Merci, monsieur. Alors, je ne vais pas vous parler de la commission. Commissaire du gouvernement et du RTPI Port-au-Prince, c'est hier environ 3h et du matin, ils vont rentrer la Caïman et au côté à venir à l'ISMOI qui vient un dossier important qui vont prendre traité dans ce moment qu'à venir. On va prendre fermé, ça va passer pour moi, s'il vous plaît, pour nous récupérer le dossier, ça va être pour bien tous les compatriotes qui sont dans la prison. Merci, Jacques Lafontaine. Ça va être pour vous, Thank you.
Dieu. Si vous diagnostic, oui, je termine. Diagnostic que tout le monde a fait, il y a un problème dans le pays. Il y a un problème. Pour une population qui est en difficulté, malgré un pile d'efforts qu'il fait dans le domaine infrastructure à Zignes et dans le domaine touristique depuis 7 ans par l'ancienne administration et le pouvoir, l'administration Moïse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de diagnostic, ça, il faut que nous apportions les correctifs nécessaires pour que le peuple a retrouvé cette confiance qui permet que justement avancer aux côtés du chef de l'État qui, dans le quinquennat là, pendant 5 ans, 4 ans qui était pour le passé, 3 ans et demi qui était pour le passé dans le pouvoir là, pour que l'IFEL accompagne les citoyens et les citoyennes qui ont un pays, qui pensent pays, qui pensent collectivité, et pour que graduellement nous portions des éléments de réponse aux problèmes chroniques qui rongent cette société. Merci, docteur. Mais le rachat de Mayotte, on n'en veut pas. C'est même ça le samedi, il y a un an et demi. Et que tous les abrutis, et que tous les abrutis, on en abrutis, on vous parle. C'est le ciel, on est compétent, c'est nous choisir l'histoire. Et pour conclure, merci. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Mais elle inspire aussi, et bien sûr, l'invincible espoir. Très bien. Je cite Jean Jaurès, qui a été un grand député socialiste et qui était à travail, non pas pour acheminement, pour destruction, pour démantèlement, okay, des valeurs républicaines, mais pour promotion de bien-être et population. La voix de la sagesse Ma petite tante, on va y quelques conseils. Je me souhaitais que monsieur dame pays, on souhaitait que pour ne pas bailler aucun prétexte, pour les barailles qui ont été arrivées des autres dans le pays, pour ne pas bailler mon prétexte, mon pouvoir en place, mon pouvoir en place. Mais on pouvait en place, mon président qui est là, Seyyan reconnaître, le monde reconnaître comme président, ben le président toute l'attitude, le président prend toute l'attitude pour le travail pour le pays. Parce que, cher d'État, ce n'est pas ça y a du là qui compte, non? C'est ça, à faire référence au principe, par référence à la Constitution, c'est lui-même qui fort. Monsieur, ça, c'est une vraie dignité. Mon billet, mon président, moi, dis ça, je dis, on a fait tout effort pour montrer que, dans ce quinquennat-là,
qui sont présidents qui font route pour pays à entrer dans un état de droit. Et bah, on dit, c'est docteur, il faut que tu parles de politique. Nous sommes les plus gros moments pays qu'on est après 1986. Puis le mouvement qui est fait dans le pays après 1986, c'était le mouvement secteur qui est victime là. Dans le bagage qui se passe, la première victime là, c'est le mouvement qui est fait pour que il y ait des bons contrats sociaux. Je pensais que le président de la République là, t'as un chita à secteur ça, au moins, même pour l'histoire que nous connaissons. Est-ce que le contrat social, ça a été écrit, qui s'acclade à nous? Si le pas écrit, qui est détecté, véhiculé, pour prendre ça, c'est pour parler politique ou parler. Mais ça, c'est un bagage rationnel. Puisque la première victime, là, c'est eux. Et la première victime, là, c'est l'État. Deuxième victime, là, c'est eux-mêmes. Deux mondes, ça, eux. Deux entités, ça, eux. T'as deux chita pour parler dans le moyen, pour voir comment. N'a fait pays à déboucher sous sorte à capable une politique ambitieuse de justice sociale pour moun yon utilise ou pas qui prend la ouya, pour moun qui fait insurrection te fait ou parce que estime ou gangou, pour moun sa yo pas gagner aucun prétexte encore pour faire ça que fait là. Très bien. Merci un peu, Mathilde. C'est un plaisir d'avoir passé tout parler les snows, même si il était très surchauffé, notamment. Et donc, lui, donc, il y va. Et faut auditer au Taoué à quoi là, monsieur. Et puis, merci un peu. Reprise en vérité, c'est demain soir à 8h. Les sujets qui fâchent, les grands dossiers qui tiennent la nation à cœur, retrouvez-les à Mots en vérité sur Signal FM tous les samedis à partir de 8h du matin. Haïti et sa diaspora écoutent Mots en vérité sur Signal FM 90.5 et www.signalfmhaïti.com pour un vrai débat équilibré.